Salut, alors cette fois-ci, vidéo walkthrough numéro 12 de The Last Story. Alors, j'ai continué ma progression dans la foutue base, la base Gourak. Et donc voilà, j'avais un... Merde. J'avais un cercle d'invocation, j'en ai profité pour faire un petit peu de level up. Donc j'ai monté tout le monde au niveau 25. Alors le général Astar et Terrius sont pas montés, hein, puisqu'ils font pas partie... de mon équipe. Alors je sais pas s'ils finiront par faire partie de mon équipe ou pas, on verra ça un peu plus tard. Sinon ouais, j'ai appris avec avec Yuri qu'en fait il a augmenté en fait sa magie, enfin il a augmenté sa magie, la magie comment elle s'appelle, voilà. Donc elle s'appelait pas incendie avant, je crois elle s'appelait autrement, et en fait là maintenant c'est devenu incendie. Et je suppose que c'est un peu plus puissant. Bon, je l'ai pas encore vu utiliser pour l'instant. J'aurai peut-être l'occasion d'utiliser juste derrière cette porte. Welcome to my base. Ouais, donc c'est Zangura qui est en train de parler. Welcome. You've done well to make it this far. My congratulations. You know what you can do with your congratulations. You must realize you cannot touch me. Even so. We have to try! Wait! Ça, ça va être le boss que je vais affronter. Zael, I'll go after Zangorak. You hold the fort. All right. Yes. Gorgeous. Barbas. Allez, on va tirer son attention. Putain, il disparaît de partout. C'est un sacré cheater. It's too fast. It's quick for its size. You need to slow it down, Master Zael. Drop some of those bombs in its way. Use the bombs to stop it. There is no other way. Ouais, mais bon, sauf que... It's time. Voilà, maintenant il est perturbé, on va pouvoir le flinguer. Elle. Une attaque comme ça. Je suppose que je vais devoir lui renvoyer une bombe d'ici peu. Ah merde, il y a des salauds qui sont arrivés en même temps. J'avais pas fait gaffe. En fait, il va falloir que j'envoie aussi une bombe de soin. Ah salaud! Je peux pas passer par ici. Jack. Alors on voit que le halo d'incendie il est maintenant carrément. Le halo de feu en fait il est carrément plus grand. En fait je suppose que c'est juste ça l'amélioration que ça a apporté. Wow! What the fuck? J'ai chopé une bombe de soin. Je vais balancer ici en plein milieu. Comme ça, ça a soigné tout le monde. Il y a encore des petits qui sont pointés. Par contre, là, ils courent tout autour de la salle et du coup, je peux pas vraiment y accéder. Et ici, voilà, je peux pas. Ah, salaud! Voilà. Tiens! Alors, où est-ce qu'il est?
Allez, ramasse cette foutue bombe. Alors, je vais balancer ça sur Yurik, parce que c'est lui qui a besoin de soins pour l'instant. Ah merde, putain, j'ai raté ma bombe. Dire qu'il est pas facile à... Ah merde, je l'ai fait sur mes potes. Pas l'air con. Watch. Ça, ça pique. Ouais, j'ai réussi à les péter. Ça va, c'était un combat plutôt sympa, il fallait que j'utilise les bombes vertes pour pouvoir le sonner un petit peu. Alors j'ai chopé une épée non identifiée. Débloquer une fois que je serai revenu sur le bateau. Enfin, si je reviens sur le bateau, je sais pas. Dagrun! En attendant, il s'est un peu fait défoncer. Is that you? Oh, sorry. He got away. What the hell are you doing running off on your own? I've got to look cool sometimes. Master Dagrun, where did Zangrak go? I'm sorry, General. I don't know. I see. Well, at least you're safe. General! The surviving enemies are retreating to the west! You let them escape? Zotherius, the Gorak have things they want to protect. You must understand that. But... All troops, prepare to return to the fleet. Yes, General. That goes for you too. Bah, encore une foutue cinématique avec du son buggé. Party fled the battered Gorak base and boarded General Astar's ship, which would take them back to Lazarus Island. Where's Lisa? She was with us until we came aboard. Probably wants to be alone. Thale, the general. He was calling Lisa. Well, he was calling her Lady Callista. Ah. Sorry we couldn't tell you sooner. The thing is... Oh, I see. But that wasn't something you needed to hide from us. Now you mention it, it makes sense. Still quite a shock, though. Bon, je vais pouvoir me balader sur ce grand bateau, ce grand navire. Eux, ils ont rien à raconter. Cassez-vous. Et j'espère que je pourrai aussi trouver
Voilà, bah voilà, c'est justement ici, c'est ce que je cherchais, les gens pour améliorer, etc. Bon, déjà, première chose, je vais faire une sauvegarde directe. Voilà. Oh, Zale. On va parler un petit peu à tout aren't you searching for Callista? Si, si, je la cherche, t'inquiète. Alors. L'âme sanglante. Hache paralysante, ça, on s'en fout un peu. Karma. C'est lui qui l'a embarqué. Dag, Dag fétiche. Alors j'ai toujours pas eu de bac d'Aristo. J'ai trois épées là que je peux. Qui sont pas encore identifiées, comme c'est écrit. Alors, l'âme sanglante. D'accord, les deux ont une âme sanglante. Je vais essayer de les améliorer. Absorbe 30% de dégâts. Dans les pour les dégâts qui sont faits de dos, ça c'est plutôt pas mal. Vol d'objet 5%, ça c'est plutôt pas mal aussi. Ah, je peux l'augmenter plus loin que plus 5, mais par contre il me faut des bacs d'aristocrate et j'en ai pas. Bon, donc j'ai augmenté aussi la lame sanglante de Dagran, pardon. Voilà, ça c'est fait. Karma, on s'en fout, ça c'est à fond, ça c'est à fond. Dag fétiche, je peux pas l'augmenter pour l'instant. Faudrait par contre que j'augmente. Merde. J'augmente aussi les protections un petit peu parce que. Ah ouais, d'accord. Pépite d'argent gnome. Ah, je peux augmenter ça par contre. C'est vrai qu'au niveau des armures, là je suis un petit peu en chien. C'est des armures que je peux pas vraiment augmenter parce qu'ils me demandent des objets assez chauds à trouver. Now I can't sleep at night without the sound of waves. Don't go thinking the power of the outsider will make you into a great warrior. What? It's not like I'm relying on just that. I fought plenty of battles without it. But you are doing so no longer. And while receiving the outsider's power was a stroke of good luck, you cannot rely on luck forever. Oh bah vas-y, va casse-toi. Il est juste jaloux, quoi. Thank you, General. If you hadn't been there, I don't know how we would have survived. No, we should be thanking you. Your action saved Lazarus Island. That mark on your right hand. Lisa. I mean, Lady Callista. Said it's a sign that I've been granted. The Outsider. I suspected as much. You know about the Outsider? Just the name. If you can use that power properly, it will be of great help to you. But use it incorrectly, and it may destroy you. Yes, sir. Ah, d'accord, en fait, il est ici. J'étais carrément, carrément loin de lui. Bon, c'est pas grave. Alors là, par contre, c'est qui? Non, j'ai cru que c'était Dagran. J'aimerais bien identifier mes armes. Oula! J'aimerais bien identifier. Mais merde, tain, il y a des trous partout. C'est un peu le bordel. Je vais voir là-bas s'il n'y a pas un mec pour améliorer. Enfin, identifier mes armes. Là, il y a Yorick. Callista? Looking for something? D'accord, je suis en train de chercher dans un tonneau s'il y a Callista. You don't see if she's in there, do you? Not every day you get to board a ship like this. Boutique aussi. Welcome to my shop. Oh, on s'en fout des teintures. Can be picky about colors. Je pense pas que ce soit si intéressant que ça de. The tools of a knight. They come highly recommended. De choper des teintures. Alors hache paralysante, épée de chevalier, maléfice. J'en ai déjà quelques-unes. Épée de chevalier, je sais pas si je la prends. Niveau 3, fléau des bêtes et des araignées. D'accord. Bon, je vais m'en acheter une quand même. Hein. Ça peut être sympa. Quality assured weapons these, not just found on the floor. Alors je vais descendre ici dans la cale. C'est probablement par là que je trouverai Callista. En tout cas, ça m'a l'air assez énorme ici. Aha! Callista! Taskete! Mitsketa! She was crying. Ah d'accord, elle s'est déjà enfuie. It sure is dangerous. And it's all thanks to you. Achetez, achetez, qu'est-ce que tu veux me vendre? Bouteille de vin, des bananes,
essayer d'en choper un de chaque. Je sais toujours pas à quoi ça peut me servir. I can't stop smiling. Puis en tout cas, Calista, elle s'est faite la malle. Ah d'accord, elle est là. She didn't notice me. Il a l'air flippant ce mec là. C'est une boutique aussi. Eh vas-y, reviens à ta place là. Ah, identifié, parfait. Hop. Étoile filante. Lame d'argent usée. Croc. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas. Ça a pas forcément l'air. Ah bah, par contre, Croc, c'est une arme de type glace. Ensuite, il y avait quoi? Étoile filante. Étoile filante, c'est quoi? Vitesse de déplacement plus 15%. Ça peut être sympa, ça. Bon, par contre, peut-être pas forcément pour moi. Enfin, pas forcément pour Zael, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. On verra un petit peu plus tard. Je vais pas équiper pour un seul. Watch it! The cannons are there! Hop. Bon, je sais pas où est-ce que je m'aventure. Zael. D'accord, allez là. Here you are. I was looking for you. Sorry. I knew I'd just get upset if I saw you again. Don't worry about me. I won't run away or do anything reckless again. You should just focus on your own dream. I'm sure you'll make it come true. I wish you all the best. Calista, this isn't right. I can't let you go back to the castle. Why not? I hate seeing you so sad. I just want to see you smile. So, come with me. I promise. I'll take care of you. Wait, Zael, where are we going? Why won't you listen to me? I want Calista to stay with us. Zael, think. She's the sole daughter to the mighty House of Argonon. Don't you get that? Yeah. But you know what will happen. She'll be forced to marry that obnoxious Ponce the moment we get back. I just can't stand by and let that happen. Zael's getting quite audacious, isn't he? Trust me. There's going to be hell to pay. Look, the only people who know she's here are us and General Astar. I can persuade him. So, if everybody agrees, we can... No. If anyone finds out, it's not just you two on the chopping block. You'd put us all in danger for her. Is that what you want? But Dagrin! It's okay, Zael. Calista! I'm truly happy you feel this way. But Dagrin is right. I don't want to be any more of a burden. Ça c'est plutôt pas cool. Alors je vais essayer d'aller voir le... We're almost at Lazarus Port. Are you ready to disembark? I see. There is... Make sure you've done all you need to. Ok. Déjà je vais faire une save. Alors, bah je sais pas si je vais avoir... Si je peux parler au perso là. Zael. I'm sorry. It's all my fault.
Mais non, t'inquiète. Alors lui, visiblement, on peut pas lui parler. Bon, je crois que je vais pas me faire chier à aller chercher tous les persos pour écouter leur baratin. Je vais aller directement à la Suisse. We're almost at Lazarus Port. Then let us head back. Attention, everyone. We will shortly be docking at Lazarus Port. It has been an honor sailing with you. You are all to relax and enjoy yourselves after this strenuous voyage. That is all. With a heavy heart, Zael pondered his options as the fleet approached the island. Excellent work as always, General. A wonderful result. Thank you, milady. You lot, stop right there! What are you doing? What is this? Zael! I've discovered that this man, using the chaos to his advantage, tried to abduct Lady Callista. I also have information stating that these people helped the Garak, allowing them to steal our precious magical tomes. What? You're wrong. Uncle, they wouldn't. My poor Callista. Did they threaten you? You're safe now. No need to worry. Throw them in the dungeon. Sir! Hold still! What are you doing? Let me go! General Astar? You wouldn't want to tarnish your good name by defending them, would you? Zael! Donc voilà, on s'est bien fait. C'est bien fait avoir. Zael and the others protested in vain as they were taken to the dungeon beneath the castle. There, they found that Lowell and Siren had already been imprisoned. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on n'avait pas de nouvelles de depuis pas mal de temps. Pas ça, je crois que Siren elle est que niveau 6 ou une connerie comme ça. Ça fait un sacré moment que je l'ai pas utilisé. So our little friend turned out to be the Count's niece. But Zael saved that girl's life. I'm pretty sure that kind of thing shouldn't land you in the slammer. It's that damn Jor-El. No doubt he's been filling the Count's head with ideas. I'll wager we're infamous throughout the castle by now. That's one way to make a name for ourselves. I got you all into this. I'm sorry. Ah, ain't your fault. If it comes down to it, we can bust out. Oi, there'll be no busting out. It's not like the Count believes everything Jor-El tells him. But he won't ignore an accusation from his future nephew, either. Which is why we have to be patient. Someone called Dagrin here. The Count wants a word. What did I tell you? I'll see what I can do. Just sit tight. Callista helped us so much. I promised I'd rescue her. Now look at me. There's nothing I can do. Damn it! Bon. Examiner. Alors, je suppose qu'on peut pas s'enfuir. Forcément, la porte est verrouillée. Je vais essayer de papoter avec trapped in the dark with no way out. The story of my life.
Are you Zael? D'accord, j'ai à peine parlé à un mec que je vais devoir sortir déjà. You're gonna be questioned. Get out. Hurry up! Je sais pas si je rêve, je crois qu'il y a une femme qui se fait agresser là dans sa cellule. Ah, this is where we lock up the monsters we capture. Sometimes we feed some unruly prisoners to them. Oh, la foire. Ça a l'air d'être un gurak ici. Harsh interrogation awaited Zael. He was charged with taking advantage of the Gurak assault to kidnap Callista and allowing the Gurak to sneak into the castle. My Lord Inquisitor, I witnessed this man and Lady Callista having a little conversation away from the ballroom. You seem to be on quite familiar terms with the lady. Tell me, was that the first time you liaised with her? That's... I thought not. You've been trying to get close to her for some time, fueled by some unsavory motive, no doubt. You're wrong. I wouldn't... The accused will refrain from speaking out of turn. He will respond only when asked a direct question. This man was ordered to take Lady Callista somewhere safe. By General Astar. At that time, there was no one he could entrust with the task. Except for that man. Hmm. But you did not see the two of them after that, correct? I know what I saw. I saw this man trying to whisk Lady Callista away, against her will. Naturally. That's a lie, and you know it! You ran off as soon as the attack started! You dare to sully my noble name, commoner? Noble? All I see is a coward! The accused will mind his tongue! And your misdeeds certainly did not end there. You claim to have sneaked aboard a Gurak warship and taken it over. If so, then why did you not simply escort Lady Callista back right away? What reason could there possibly have been to put the fair maiden in any further danger? That's because... Lord Giral is correct, young man. Have you anything to say? Alors, le temps pressé ou Callista voulait venir? Je veux dire le temps pressé. You managed to rescue everyone else? I put it to you that the only reason was that you wanted to kidnap her. No, you're wrong. You're going to have to do better than that. You won't defend yourself. My Lord Inquisitor, I believe we are wasting our time trying to get the truth from this commoner. Perhaps we should proceed in a manner befitting his status. Indeed. If he will not answer, then there is only one course of action. Oula, je crois que je vais me faire fouetter. Ouch. Oh, this is delicious. It seems the commoner has had enough. Nothing more we can do now. Let us adjourn. Take him to his cell. Your stubbornness merely prolongs your agony. You should know your station.
down. Nothing for it. Come on, then. Told you, you can't handle that sword yet. Bon, j'ai pas trop pigé le délire de cette cinématique. Je pense que c'est quand ils étaient un peu plus jeunes. Yeah. Looks like he's awake. Those rotten bastards. They really messed you up. I've healed you as best I can. But don't overdo it. OK, bon, c'est sympa poulette. Alors bon, je vais certainement devoir reparler à tout le monde pour pouvoir redébloquer encore des scènes. Mais je vais mettre fin à la vidéo. Je pense que ça fait à peu près une demi-heure. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la suite.